Bonjour les amis. Alors, contrairement à la France, les États-Unis ne délivrent pas de bleu de méthylène. Donc, il faut se débrouiller. Alors, sur Amazon, eh ben, j'ai trouvé cette bouteille de bleu de méthylène. Alors, il y a 100 grammes dedans. C'est pas très cher, voyez, puisque c'est 20 $. Et elle est soi-disant pure. Ah, il y a 100 grammes. Or, quand je vérifie et je vois que les 100 grammes, après, c'est marqué Practical Grade et c'est marqué nulle part qu'elle est pure. J'ai lu tout ce que j'ai pu trouver dessus. Il n'y a rien qui semble contre-indiquer l'usage de ce bleu de méthylène. Donc, c'est celui que je prends. Alors, maintenant, c'est pas simple. C'est pas simple parce que vous savez que ça tâche partout. En France, jusqu'à présent, j'achetais mes pilules, mes trois pilules de 75 mg que j'allais dans quasiment n'importe quelle pharmacie. Je les commandais et on me les donnait. Quand on me demandait pour quel usage, je disais c'est pour mon chien, c'est pour n'importe quoi. Je ne parlais pas de cancer parce qu'autrement, j'avais toujours un retrait de la part de la pharmacie. Alors maintenant, je vais vous montrer comment je procède parce que c'est pas simple. C'est pas simple. Alors, on se retrouve avec la langue complètement bleue, les dents bleues, les gencives bleues et ça part pas facilement. Donc, bon, tant qu'on est confiné, c'est pas très grave. Mais si on doit sortir, c'est pas la même chose. Donc, voilà. Alors, je vais vous montrer comment je procède. Alors, voilà la bouteille et voilà ma dose. Alors, bien sûr, j'ai pesé avant de savoir. Et ben, c'est ça, ma petite dose à moitié remplie. C'est ce qu'il me faut. Donc là, ça c'est réglé. Alors, pour pas en mettre partout, parce que c'est extrêmement volatile, qu'est-ce que je fais? Je le fais au fond de l'évier. Alors, l'évier, d'abord, je le mouille. Je le mouille. Je mets même, vous savez, le produit de vaisselle sur le fond, comme ça, je l'étale un peu avec une éponge. Je ne rince surtout pas, bien sûr. Je mets ça au fond de l'évier. Je prends ma petite dose et je les mets dans un petit récipient comme celui-ci. Ça, c'est mes cachets que je vais prendre, mais un petit récipient comme ça, vide, bien évidemment. Après, je me fais un café. Je me fais un café et je mélange. Alors, c'est infect. C'est infect, il faut bien le dire. Voilà, ça vous fait une espèce de boue pas possible, vous voyez. Voilà. Donc, voilà. Alors, regardez-moi ça. Oh là là, même. Ah bah tiens, ça c'est. La paille se détruit apparemment. Bon, ça devait être la chaleur. Je suppose que c'est pas le bleu de méthylène qui fait ça. J'espère du moins. Bon, mais quoi qu'il en soit. La prochaine fois, j'utiliserai pas une paille en carton, mais j'utiliserai une paille en plastique. Elles sont interdites à la vente aux États-Unis aujourd'hui. Donc après, qu'est-ce que je fais pour boire tout ça sans m'en mettre plein partout? C'est infect, hein, il faut bien le dire. Alors, je vais le boire après. Je vais d'abord finir cette vidéo. Après, la seule manière, s'il reste un peu de résidu, c'est ce genre de Ajax en foam cleaner, c'est-à-dire de la mousse, et ça part très facilement. Autrement, vous devez frotter comme un dingue pour faire partir les taches de bleu. Ben voilà les amis, alors maintenant, bon, est-ce que je le fais devant vous? Allez, allez, je me lance. Alors, je mets la paille, d'abord je mélange. Je mélange cette mixture, vous voyez, ça épaissit le café, c'est pas terrible du tout. Je pense, j'ai déjà essayé avec du lait, j'étais tout bleu, tout vert dans la bouche. J'ai essayé
Oh là là, ah ouais, c'est la paille qui se désagrège. C'est la paille. Bon, on va essayer quand même. Allez, en avant. Alors, je la mets le plus fond possible, le plus au fond possible de ma gorge. Et ça marche plus. Et ça marche plus. Donc, je vais aller couper. Regardez. Hein? Ah. Bon, alors je vais arrêter là la vidéo. Vous voyez, c'est pas terrible. Alors, le lait, ce que vous buvez après, eh ben, ça améliore un peu, mais c'est pas immédiat. Alors, voilà, je vais arrêter cette vidéo maintenant et je vais aller terminer ma boisson en changeant la paille ou en buvant, puisque de toute façon, ça ne servait à rien. N'est-ce pas? Au moins sur les dents, il semble pas y en avoir. Mais bon, après, il faut se laver les lèvres. Alors là, c'est facile, les lèvres avec du savon. Mais la bouche, ben, ça part au fur et à mesure. En attendant, vous pouvez faire peur aux enfants en faisant croire que vous êtes un schtroumpf. Là, ça fait moins peur. Ou un alien. Merci les amis, une très très bonne journée. Au revoir.